On va voir ce que ça donne. Je suis toujours à 1 en série de victoires. Hein, pas évident. Pas évident. Surtout que vu que je lance en aléatoire, si je tombe sur quelque chose que j'ai déjà eu, je reset. Du coup, ça me pète la série aussi. Un peu dommage d'ailleurs, mais en même temps, ça paraît logique. Stygien éphémérien, est-ce qu'on a eu ça? L'inverse, on a eu, mais Stygien éphémérien, non. Non, j'ai aucune win avec les Stygiens en champion. C'est pas facile à jouer, je trouve, les champions Stygiens. Le pur. Le pur. Purge toutes les unités des effets qui ne profitent pas à Séraphin. Ouais, ça divise par deux, quoi. Ok. Mais est-ce que la gelure, ça compte? Ou c'est que sur les... sur nos unités à nous, il me semble. Vas-y, ok. On va partir comme ça. Alors. En vrai, c'est pas dégueu, hein. On a, on a beaucoup de défausses. Et on a deux trucs qui marchent dessus, sur la défausse. On peut faire descendre des unités. On a de la reforme. Ah oh, ouais, si je prends lui avec gelure... Avec la reforme, c'est pété, du coup. Enfin, c'est pété. C'est bien, quoi. On va qu'à aller là, d'abord. Ah, voilà. La vengeance. C'est trop bien avec la reforme, la vengeance. On a un combo de base, quoi. C'est insane. Déclenche les capacités incantation une fois supplémentaire. Le truc, c'est qu'on va essayer de jouer gelure, je pense. On va essayer de jouer gelure. On va regarder un peu. Non, c'est pas éveillé. C'est garde stygien. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à prendre avec la gelure? Il n'y a qu'une unité, non, qui donne des gelures. C'est la vengeance aussi, c'est lui. Ah non, il y a incantation, inflige gelure 2. Oh, si j'ai ça. Oh, si j'ai ça avec ça. Ok, vas-y, ça se tente, hein. Ok, ça va être le but. 10 d'armure, c'est un peu chiant, mais... En vrai, j'ai pas tant de sa peur, parce que je vais mettre mon champion ici, là, et ils vont tous crever. Et je m'en fous si mon champion meurt, parce que je peux le réinvoquer. Bon, par contre, il aura moins de durabilité, mais vu qu'il dure qu'un tour, Osef, au final... Je crois que j'aurais pu en tuer un seul, mais bon. Bravo. Après, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça lui approche beaucoup d'éclat. Je tue lui aussi. Ah ouais, mais par contre, les tours où j'ai pas de... Comment ça s'appelle ? De remouler, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Tiens, vas-y, on a qu'à mettre lui là. Faut qu'on fasse un peu de place. Allez, vas-y, touch. Ok, c'est bon. Bon, le primit. Ah ouais, mais non. Bah non, t'es con. Bah oui. En fait, faut pas que je tue mes unités parce que c'est de la merde. Oh non, mais je suis con. Et pourquoi je pense pas à tout? Pourquoi je pense pas à ce genre de détails? C'est ça qui me manque, en fait. C'est que... Il y a des fois, je pense pas aux détails. Si je le mets là, est-ce qu'il meurt? Quoi? Ah, parce qu'il retourne à zéro en éclat. Oh, quoi? Ah merde, ça je savais pas. Oh, mais c'est la baise. Oh, mais c'est l'extra baise. C'est... Ah oh, mais what? Oh, mais c'est nul du coup. Ah oh, putain. Ok, j'ai envie quand même de réessayer le combat. Vous me pardonnerez, mais j'ai envie de... D'essayer d'être un peu meilleur, on va dire.
On va quand même mettre lui là. Après, ce que je peux faire, c'est ça aussi, mais du coup, j'en joue un de moins. Merde, je l'ai joué quand même, putain. Ah, JPP. Non, c'est pas grave. Ça change rien, de toute façon. Concrètement, ça ne change rien. Ah, mais c'est dommage que ça reste pas sur une unité réinvoquée. Hein. Ça rend la tâche un peu plus difficile, quoi. Au pire, ce que je fais, c'est juste je joue ça. Hein. Comme ça. Là, comme ça, tout le monde meurt. C'est déjà ça. Et normalement, après, j'ai encore un remoule. Plouf, plouf, plouf. Ah, ça veut dire qu'il me faudra des sorts... Pardon. Ça veut dire qu'il me faudra des sorts à chaque moment. C'est un peu chiant. Je fais que 29, là. 4, 6... Ouais, j'étais en mode c'est super lent, mais c'est parce que j'ai pas accéléré. My bad. Ah ouais, mais du coup, on retourne dans la merde. Allez, donne-moi le champion. Putain. Ah, vas-y, mais aussi, le jeu me respecte pas, quoi. Le jeu me respecte pas, je vous le dis. Putain, j'ai une chance sur deux. Faut pas abuser non plus. Voilà, là ça me va, là. Ok, c'est bon, il meurt. On va faire... Nice. Ok, c'est bon. Ouais. Bon, ça le fait quand même, mais je le savais pas au début. J'avais pas pris en compte ces petites arnaques. On va en prendre un de plus, hein. J'aurais quoi retirer comme malus en vrai? La consommation en vrai. Ouais. Lui, je pourrais le prendre aussi, mais ce qu'il y a, c'est que je vais manquer de reforme. Mais ce serait bien de quand même avoir des unités utiles. Donc je vais quand même le prendre, je pense. Je pense que je le prends parce qu'on l'a dès le départ aussi. C'est assez important. Oh, la retournement. Franchement, je mets ça là-dessus. Hein. J'aurais préféré le mettre sur une carte qui coûte... Enfin, un reforme pas aléatoire. Mais vu qu'on me le propose maintenant, je le fais. Sinon, j'aurais pu mettre la gelure aussi. Enfin, gel éternel. On pourrait trouver des reliques. Ça pourrait être cool. Enfin... Faut les avoir, quoi. C'était une connerie de faire ça. Oui. Oui. Tout à fait. Bon, c'est pas grave, il est pas mort. Donc en vrai, ça va. He's ok. De toute façon, ici, normalement, il n'y a aucune unité qui va y aller. Donc, ouais. Franchement, je préfère faire ça. Hein. C'est plus rentable. Oh non, oh non, ça dégoûte ça par contre. Ça dégoûte.
Il meurt de consumé. Ah, ça lui enlève pas consommation, ça? Mais wesh, putain, j'y connais rien à ce jeu, en fait. Mais en fait, je ne connais rien à ce jeu. 96 seulement. Crap. Oh là là, la pire RNG. Vas-y. J'aime bien ça. Après ça, c'est bien aussi. Ouais, j'ai des reliques en vrai. Des reliques qui me permettent de... d'arnaquer. Hop, multiple. Hop, multiple, pas hyper... Ah si, remarque, je peux le mettre sur lui en vrai. Ouais, vas-y. Après, sinon, j'aurais pu aussi renouveler, espérer avoir infinité sur le requin. Mais... on va pas le faire, je pense. Vas-y, on va tège une carte. En vrai, je suis encore sceptique sur le fait d'utiliser la purge de cartes pour virer des stewards. Je suis pas sûr que ce soit un bon play. J'en sais rien. Purger une unité, obtenez-en une version améliorée plus tard. Est-ce que je purge le tracker? Bah non, en vrai, faut que je le fasse à chaque... ouais, non. À la limite, je peux purger la sentinelle, par contre. Vas-y. La sentinelle, c'est pas mal. J'en ai pas besoin tout de suite. Je pense que je peux m'en sortir sans... Mais ça sera quand même un plus de l'avoir plus tard. Je le mets là. Ouais, vas-y. En vrai, j'hésitais à le mettre à niveau avec lui, là, pour mettre un max de gelure sur cet ennemi. Mais le problème, c'est que... c'était un peu chiant. Enfin, en fait, il faut qu'il se fasse taper, lui. Du coup, c'était pas ouf, quoi. Là, par exemple, il va prendre assez cher quand même. 53. 53, c'est pas dégueulasse. Comment on va faire? Comme ça. Et boum! Il a combien? 56 de gelure, hein, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. En vrai, je vais le mettre ici. Hein. En mode rien à foutre. Faut vraiment que je vire mes stewards par contre. Hein. Ok. Oh merde, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Bon, attends, je réfléchis. Non, je vais pas le mettre. Lui, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre là. Allez, défausse le bon truc. Putain. Ah, vas-y, quoi. Bon, lui, il est mort. Mais ici, par contre, ils sont pas morts. Lui, je peux le mettre là aussi. On va faire ça.
Nice, ça. Par contre, ça, c'est... Après, Romain, vu qu'il meurt, c'est pas très grave. C'est quoi, je peux même mettre lui devant, non? Ah, quoi, j'ai peur que ça foute tout en l'air. Non, mais ça dev... c'est large, en vrai, c'est large. Je vous le dis, c'est large. Oh, oui. Ça, je prends. Moi, j'ai beaucoup de cartes qui coûtent cher. Du coup, peut-être que l'énergie serait pas mal. Mais en même temps, plus de pioches, c'est pas mal aussi. On va prendre la pioche quand même, je pense. On a encore le temps de trouver des reliques qui pourraient être bien. On a un marchand de magie, c'est sympa. Puis retirer les stewards, ce serait bien aussi. On n'a pas de marchand de breloques bientôt. On en a un là. Caverne, marchand de breloques et aubaine, c'est sympa quand même. Et du coup, là, je pourrais aller là. Marchand de magie, vestige. Ah, mais du coup, j'aurais pas de vortex, quoi. C'est ça qui est chiant. Vas-y, tant pis. On va faire avec les stewards, on va dire, pour l'instant. Ah, il y en a aucun des deux qui est vraiment très bien. Non, je vais en prendre qu'un, par contre. Faut pas, je pense qu'il faut pas que je mette, que je prenne trop d'unités. Ça augmente juste ses PV. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais le mettre ici. À la fée, ça fait chier. C'est un mauvais jeu de mots. Touch. Mais ça va, je peux la tuer avec la gelure, donc tranquille. En vrai, si je veux, je peux... Ah non, je peux pas le sauver. Mais je peux en stun un. Boum. Ah, mais c'était con, le stun. Ah, c'était trop con, en fait. Parce que du coup, ils m'ont pas tapé. C'est terrible. Ah, il y a pas tous les neurones qui connectent, hein. Je suis quand même à 30 stacks, hein. Ce qui est pas dégueulasse du tout. Là, je tue les deux, lui mourra. Et là, je fais ça. Et là, je suis à 36 stacks. Mais en fait, le boss va juste mourir hyper vite. Quand même pas dégueulasse, hein. En sachant que là il est mort. Allez, je mets même mon chasseur de prime, même s'il peut pas le tuer. On est contre qui, le pur? Du coup, ça, je pense pas que ce soit utile. Ça, par contre, j'aime bien. Du coup, on va prendre. Ça pourrait m'être utile, en plus ça se détruit, ça peut me donner un peu de soin. Vas-y, go. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Extinction inflige 40 dégâts à l'unité en première ligne. Vas-y, garde-le pour l'instant. Ouais, me déçois pas. Donne-moi un truc fantastique.
Du coup, on a dit que j'allais ici techniquement. Après. Ouais, je sais pas. Après, c'est quand même pas dégueu de retirer des stewards. Surtout que après, j'ai quoi? Ah non, après, j'ai ça. Et ensuite. Remarque ici, ça sera peut-être intéressant d'aller plutôt à droite que là. À moins que j'ai une carte à dupliquer, mais je suis pas sûr. Ouais, non, vas-y, on va aller ici du coup. 3 cumuls de consommation. Quand vous jouez un sort qui fait. Vas-y, on va prendre ça. C'est pas si mal en vrai. Double l'effet. Je vais réduire ça en vrai. Voilà. 210. C'est pas. Ouais, c'est pas rentable, je pense. De le détruire. Là, je sais pas si c'est rentable aussi. 12, c'est quand même pas mal, hein, mais. Ça coûte un de plus, quoi. Ah, vas-y, je vais le faire. Retournement encore. Oh, let's go. Retournement sur quoi? Sur ça. Mais après, ça, c'est un truc surtout pour le boss, quoi. Autrement, ça n'a pas non plus grand intérêt, je pense. Sinon, je peux le mettre là-dessus et je suis sûr de pouvoir jouer mes bâtisseurs de crypte. Et je pense que c'est giga fort. En vrai. C'est probablement le truc le plus rentable. Parce que l'effigie de givre, je pense que c'est bien, mais surtout pour le boss. Et je peux tèche encore un steward. J'ai 0 gold du coup, c'est pas fou. Parce que j'ai un marchand de breloques après. Ouais, je pourrais acheter une relique normalement. Et encore. Ah, peut-être pas. Ah, si je peux pas acheter de relique, du coup, j'y vais pas. Hein. Mais c'est bien nul du coup si j'y vais pas. C'est con parce que lui du coup il va tuer les deux premiers. C'est de la merde. C'est de la merde. Parce qu'il serait mort quand même. On va faire ça, ça. Toi tu vas rester ici. Ah, je peux pas tuer la fée. Lui, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre un. Touch. Ça peut être évident, ouais. Mais il est pas mort? Ah, mais oui, pas à cause de la relique. Putain, je suis con. C'est pas si grave. Non, c'est pas si grave. Viens-toi, sois stun. Cela dit, genre. Ah, mais non, ils tapent tous. Non, ils tapent tous, donc en vrai, ça n'a pas d'importance. Ça. On va jouer ça d'abord, histoire d'être sûr. Et ensuite, on n'a qu'à faire ça, même si on va quand même la jouer. Boum. Ok, c'est pas mal. Pas mal. Hop. Pourquoi lui, il a pas bougé? On va jouer ça, faire ça, faire ça et faire ça. Ok. Là, notre deck est pas mal, hein. Honnêtement, j'aime bien, moi. J'aime bien. Boum. Boum, boum. Et boum. 99. C'est pas tant de ça, hein. Mais c'est parce qu'il meurt de consumer, putain, c'est pour ça. Faudrait peut-être que j'ai quelque chose pour augmenter le consumer.
Pour le monter, ouais, la durée. Je vais le mettre devant. On va stun. On va tout jouer. Comme ça, bam, bam, et bim. Ouais, si, c'est quand même pas mal, hein. Je suis content parce que c'est la première fois que j'arrive à faire un dead gelé. Celle-là, je l'ai déjà, non? Ouais, c'est la même. J'étais pas sûr. Je vais prendre ça. Pour avoir encore plus de gelure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre petit pote? Rapidité en plus. C'est super rapidité sur une unité qui a 0 d'attaque. Ça va être utile. C'est super, merci mon pote. Il m'a trollé là. Est-ce que je vais là en vrai? Est-ce que j'aurai qu'une relique? Vas-y, c'est pas grave, j'y vais quand même. Pour avoir un peu de thunes et encore une caverne. C'est quoi? Deux coffres. Ouvragé émerge de la glace. Il présente une étrange serrure. Il semble possible de crocheter à l'aide d'éclats du brasier. Ok, donc je perds 25 PV, mais je reçois 150 pièces. Vas-y, go. Hein. Ça me permettrait peut-être d'acheter deux reliques. C'est même pas sûr, en vrai. Mais en vrai, je pense que je suis assez bien. Bon, je pense que perdre des PV, ça va. Après, bon, on sait jamais. Hein. Augmenter la puissance magique. Pour faire geler une carte aléatoire. Ça, j'aime bien. Si cette carte est défaussée au 3... Ah, oh, ça, c'est bien aussi. Ah, j'ai pas... Non, j'ai pas la thune, putain. Bah, rip. Bah, au moins, on a 220 thunes. Ça fait toujours ça. On va voir si on survit. Mais je pense que ça devrait aller. En plus, avec la défausse en plus. Honnêtement, c'est quoi? C'est anti-sort. Par contre, les boucliers anti-sort, c'est chiant. On va faire ça. Puis on va le stun. J'aimerais bien jouer. Je peux jouer ça en fait. Ah mais si je fais ça, je le défausse. Ah ouais, putain. C'est débile du coup. C'est terrible ça. Qu'on puisse quand même défausser une carte qu'on a gelée. On va faire ça, ça. On est en train de le stack de ouf l'autre, mais bon, on s'en fout. On a déjà joué ça ici. J'avoue que ça va me faire chier les statues, puisque je m'en... Voilà, remarque en faisant ça... Ah, mais j'aurais dû mettre sur l'autre, ah, je suis con. Petit misplay là, je pense. Après, au moins, je tue la statue. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Après, c'est pas forcément... non plus la meilleure chose, je suppose. Oh nice, ça a défaussé le bon truc. Ok. Ah, dommage. Putain, mais on est tellement bien en fait. C'est incroyable. Bon, par contre, les 2 PV sur mon monstre, c'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant. En vrai, ça, je le fais ici. Hein. Histoire de mettre un peu de la gelure sur lui et puis encore plus sur lui. On est quoi? Ok, il reste une vague. Hop. Touch.
On va virer ça. Hop. 59. Dernière vague. Lui meurt. On a qu'à jouer ça ici. Hop. Ça marche là-dessus? Ah ouais? Bah c'est super. Après on s'en fout en vrai. Genre c'est... ça change rien. Boom. Ah, c'est vraiment pas mal comme combo, j'aime bien. On va rien prendre, je pense. Après ça, en vrai, ça pourrait être pas mal. Je pourrais la geler si je l'ai sur le bon moment. Après, le truc, c'est que j'ai ça en sort. Après, en vrai, en x5, vu que j'ai harmonie, c'est sympa. Mais c'est pas un truc nécessaire, parce que moi, je veux surtout geler. Je veux surtout geler, donc en vrai, ça, ça fasse mal, c'est... Je pense pas, en vrai. J'ai peur de plus m'embarrasser qu'autre chose. On va prendre full pioche, hein. J'ai une carte à dupliquer en vrai. En vrai, je pourrais dupliquer retournement. Hein. Enfin, ou alors celle-là même. Est-ce que je peux donner encore? Est-ce que je peux améliorer lui? Ouais, je peux l'améliorer. Je pourrais lui donner infinité si je l'ai. Vas-y, on va aller là quand même. On va tèche nos stewards restants. Ça, ça va nous faire du bien déjà à notre deck. Frappe multiple encore, let's go. Go prendre ça. Cela dit, j'aurais peut-être dû prendre l'autre parce que je crois que je l'ai jamais prise. Enfin, j'ai jamais fini de run avec l'autre carte. Du coup, j'aurais pu la valider, là, parce que je pense que cette run, on va la gagner, normalement. Gelure 2. Ah ouais, c'est pas mal, hein, ouais. Je pense que je vais rien faire de plus, hein. C'est déjà très bien, comme ça. Là, on roule jusqu'au boss, hein, je pense. Ah, tiens, je l'ai jamais vu, celui-là. Si, j'ai déjà dû le voir. Ouais, si, piétinement. Si, je crois que je l'ai déjà vu. Je pense. Ouais, je peux juste faire ça. Hein. Après, en vrai, je vais quand même le mettre là. Ça, c'est un peu con. Mais je pense que c'est pas non plus trop pire. Déjà, ça fait pas mal de dégâts à lui là. Est-ce que lui, je le mets ici? Non, je pense que je vais juste. Attendez. Réfléchis. Déjà, on fait ça. Et lui, on va le mettre ici, c'est sûr. Ensuite, ça, je peux le mettre ici. Lui, on peut le mettre là. En réception. On va jouer ça d'abord. Et on espère que ça touche la dent de titan. Let's go. Et c'est cool. Cela dit, ça, du coup, lui, il a pas pris beaucoup de dégâts. Mais je peux le faire descendre. Donc, en fait, c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Ouais, je vais faire ça aussi. Comme ça, s'il peut mourir, c'est nickel. C'est très bien comme ça. Quoi, il est pas mort?
Bah, je croyais qu'il devait mourir. On va le mettre en premier. Touch. Touch. Est-ce que je le joue, ça, en vrai? J'ai l'impression de pas en avoir tant de ça besoin. Ça me donne un peu de heal, quoi. Et lui, il est bien stacké. Par contre, il perd 60 PV quand même. Donc, en fait, ça va pas servir tant de ça. Ouais, il one-shot l'autre, c'est déjà bien, j'ai envie de te dire. Deux vagues. On va quand même mettre lui, je pense. Commencer. Peu importe l'ordre en vrai. Ça, on va le donner à lui. Quoique. Si, vas-y. J'aurais pu la garder aussi en vrai. Je devrais le faire plus souvent d'ailleurs. J'aurais dû mettre ça sur lui du coup. En vrai, ça aurait été mieux, je pense. Est-ce que je le joue en vrai? Vas-y. Ouais, c'était pas opti ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Ouais, comme ça, c'est pas dégueu, je pense. Mille cent dix-huit, pas dégueu. Ok, il est mort. Pas dégueu. Ok, j'aime bien. Et encore là, j'ai même pas multiplié les gelures. C'est insane en vrai. Faire geler une carte aléatoire dans votre main. Et tu sais quoi, je peux même mettre lui. Non, peut-être que je me suis chauffé là. Peut-être que je me suis chauffé un peu. Ok. De quoi j'ai besoin? Infinité sur lui, à la limite. À la limite. Et encore que. Peut-être en vrai. Non, je pense que je vais aller au sort. Pourquoi je vais au sort? Parce que je pourrais mettre des retournements sur des moules encore. Enfin, des remoules. Ou j'ai à l'éternel même. Genre sur moule primitif. Comme ça, j'ai plus de chances de revive mes units. Je vais peut-être pas tout claquer tout de suite, je vais d'abord aller aux reliques. Ça vaut pas trop le coup parce que... Alors le problème de ça, c'est que du coup, mon unit qui prend... C'est que du coup, attends. C'est du coup, lui, il gagnera plus, il gagnera plus de force. Cela dit, 122 x 3, c'est déjà correct. On va pas se mentir. Mais d'un côté, putain, ça peut être pas mal quand même. Hein. Ça peut être pas mal du tout, même. Mais du coup, mes moules me servent plus à rien. Après, c'est à chaque tour, donc il faut que je fasse gaffe quand même. C'est pas dégueu, ça aussi, en vrai. Après, je sais même pas si j'en ai besoin en soi. C'est pas sûr hein, que j'en ai besoin. Je vais quand même le prendre. Il me reste pile assez pour faire une petite upgrade. Sur toi, tiens. Qu'est-ce que je duplique? En soi, mes moules primitifs me servent plus à rien du coup, techniquement.
Mais dans le doute, je pourrais quand même en redupliquer un. Sinon, je duplique l'effigie de Jive si j'ai vraiment envie d'aller en mode YOLO. Ça peut être sympa. Allez, vas-y. Et franchement, j'ai presque envie de... au moins virer un, je pense. On va virer ça aussi. Après, ça coûte 0. Ça se détruit dès que c'est utilisé. Ça me permet de regagner un peu ma santé. Sinon, j'en vire un comme ça. Qui sont moins utiles quand même maintenant. Ok. Let's go. On a bien fait quand même de restart le premier fight. Quand on voit juste où on est là. Clairement, ça fait plaisir. C'est vraiment insane du coup ce qu'on peut offrir là. Bam! Un bouffe. En fait, lui, j'ai envie de le jouer, mais je sais pas où. Là, j'ai pas tenu compte de l'infinité. Lui, il a infinité, mais pas lui. Mais c'est nickel, en vrai. Et du coup, lui, je vais pas le jouer tout de suite, parce que faut que je le joue après. En fait, non, il faut que je le joue maintenant, du coup. Parce que du coup, lui, il aura pas infinité, et c'est bien. Pas évident, pas évident. Et du coup, lui, je peux le mettre là. Ça, je vais le jouer ici. Hein. Ah merde, mais lui il va mourir, ça m'embête. Ouais, ce qui m'embête surtout, c'est de prendre des dégâts. Tiens, je te stun toi. Ah merde, mais du coup, je l'ai... Ah, mais non. Je suis con. Un peu. Un peu. Du coup, je peux le remettre. Ah, c'est insane. On va déjà mettre ça là. Contre lui, si je fais ça, je vais quand même le mettre, tant pis. Donc toi descends, boum. Merde, celle-là, j'aurais peut-être dû la garder. Quoique. Quoique, peut-être pas, en fait. En vrai, j'ai envie d'aller là avec lui. C'est peut-être pas le meilleur choix. Ah, c'est peut-être pas le meilleur choix, en vrai. Il meurt, là? Non, il meurt pas. Faut que je les tue. Donc on va mettre lui ici. Moi lui je vais le descendre pour éviter qu'il meure. En fait il me sert à rien lui. Parce qu'au final je tue tout le monde. Enfin non c'est même pas ça, c'est j'utilise toutes mes cartes. J'utilise toutes mes cartes, du coup il peut rien geler. Mais c'est pas grave, je vais le valider quand même. C'est histoire de... C'est pour la collection qu'on fait ça. Pas faire mieux. Non, je peux pas faire mieux. Si, Romain, j'aurais pu jouer ça avant, mais j'ai peur d'en défausser un. Donc en vrai, autant faire ça. Bon, je vais le défausser, mais c'est pas grave. 92 gelures. Ok, c'est la dernière vague.
Attends, va là. 354. On joue ça ici. Hop. Je pourrais le faire descendre lui aussi. Ouais, vas-y. Pour assurer la victoire. Voilà, comme ça là on est assuré. Allez, on pose lui et puis voilà, GG. Bon, bah c'était bien cool, first try. Et c'est insane. Et du coup, on est en série de 2. Une première. Magnifique. Bon, c'était un peu triché au début, mais je savais pas aussi. Je savais pas. J'étais pas chaud, c'est pour ça. Nice. Ça fait plaisir. Ah là 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 là. Ah, c'est trop... C'est marrant, les decks... Quand t'arrives à les faire marcher comme ça. Allez, suivant.